Bonjour, j'espère que vous avez tous passé une bonne soirée. Bonjour à vous tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous êtes contents de la prochaine, de la reste de la journée. La choc à choc. Et je suis avec l'initiative et c'est moi qui vais faire la suivi ce matin. Le sujet de cette conférence est le programme d'immunisation sans laisser personne en arrière. Le sujet de cette session, c'est voir deux variants importants pour arriver. L'un, c'est les valeurs de genre. Et le second, c'est le défi de faire les chartes et arriver à cette population. Alors, nous avons un panel fantastique. Prêt pour le présenter aujourd'hui. Nous allons faire quelques introductions rapides. Docteur Angele et tout le monde, elle est à l'unité de HLO à Genève, elle est le chef. Pendant la pandémie, elle était aussi le leader de l'introduction des vaccins. Le docteur Lunzer est une pédiatricienne et spécialiste de la médecine sociale et de l'Institut de Stockholm. Mais avant d'être à H2, elle était présidente des Médecins sans frontières en Suède et aussi pour l'immunisation et aussi l'agence en Suède de santé publique. Elle aussi, elle parle avec les orateurs pour pédiatrique. Maintenant, une épidémiologiste qui a travaillé dans l'immunité et la santé globale pendant 15 ans. Elle a un master de santé publique de l'université d'Emery et en ce moment, elle est conseillère d'immunisation, un travail de stratégie de la rougeole et les campagnes de vaccins et des efforts d'intégration. Avant d'arriver, elle était avec l'initiative de polio pendant 13 ans. Elle a commencé sa carrière à Genève en travaillant avec les tests des cliniques de vaccination et support des régions africaines, en Nigeria, Pakistan, Jordan, plusieurs pays en Afrique aussi, comme partie de la réponse au polio. Maintenant, Dr. Jalva Sadu est un physicien qui est en poste, il a un post-degré en vaccinologie et un PhD en style de vie. Maintenant, c'est directeur à Cameroun pour l'accès, l'initiative d'accès et aussi pour la presse et la vaccination. Il a commencé comme membre des corps de décision et les facultés de médecine de Yaoundé et des sciences à l'université de Bouja et l'Institut pour la santé publique de l'université d'Océania. Dr. Alba récemment il a eu les services par le président, il a eu une reconnaissance par le président de la République, par son aide. Et Rena Herrera, elle était une officier d'évaluation à l'Institut de formation. Elle a beaucoup d'expérience à la santé publique et est centrée sur la nutrition, les enfants. Elle a aussi des méthodes, hein, la qualité, la conception et aussi la collection des analyses et dissémination pour décisions basées sur des évidences. Elle a planifié une évaluation en plus de 15 pays à travers l'Afrique, l'Asie. Elle a en ce moment l'évaluation est suivie pour les robes des gagnants. Elle a une concentration à la promotion de la santé et le comportement de l'Université de Texas pour la santé publique. Et finalement, Dr. Kanchikan est professeur assistant à l'Institut de gestion de santé en Inde.
il est démographe, économiste, centré sur la recherche empirique. Avant, il était un fonctionnaire à l'Institut des sciences pour la recherche et son expertise pour la démocratie, les aspects de la soins de santé des enfants et l'analyse profonde des spécifications profondes. Dr. Khan est aussi, il est estimé comme journaliste. Les plusieurs journaux, la médecine tropicale, la santé tropicale. Et alors, il a un PhD de Bombay Inde. Et alors, maintenant, Dr. Lindsay. Merci et bonjour à vous tous. Merci pour l'organisation, la fête hier soir, c'était fantastique. Et moi, j'étais très impressionnée pour ce qui continue à danser quand je suis partie, 30 degrés d'humidité et vous êtes là. Alors, ce matin, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour discuter pourquoi le genre est important pour l'organisation. Et simplement, pour commencer, pour la base, nous savons la différence entre les sexes et les genres, ou les sexes de la partie biologique est aussi assignée à naissance, et la physiologie et les genres, cependant, est un contrat social. C'est sur les régulations, c'est sur les relations, c'est sur la société et sa évolution avec le temps. Et cela, en disant, et cela reflète les relations des différences de pouvoir. Et les SDG 5 est dédié à les genres et égalité. Et ça, les ODD, comme partie niche, c'est important à toutes les priorités que nous avons discutées hier. Et particulièrement, on peut dire, encourager l'équité, ce qu'on discute ce matin, les genres, c'est au centre de tout cela. Et nous voyons cela comme croisé. Nous voulons que ça soit vraiment intégré à tout. Et simplement pour arriver au bas, ce n'est pas une affaire des différences, des différents genres et les couvertures entre les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Ça a vraiment à voir avec de reconnaître et répondre à la équité et les barrières avec les genres de genre pour pouvoir avoir accès aux vaccins. Les enfants et la communauté, et c'est vraiment la couverture, l'augmentation des couvertures pour tous, les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Et dans notre unité, et en Genève, nous avons produit beaucoup de documents, beaucoup de guides, et c'est particulièrement très, et ça c'est un guide, qui ça fait partie de la et ça vraiment essaie d'améliorer la conscience et la compréhension des barrières qui ont à voir avec les genres. Et c'est vraiment un comment faire. C'est vraiment le principe, la conception, les outils et même les métriques que nous pouvons employer pour évaluer les barrières des genres. Et cela inclut aussi des ressources additionnelles dont vous pouvez avoir accès dans ces sujets d'inégalité de genre. On peut l'avoir en anglais, en français, et maintenant, on va aussi avoir en espagnol et en portugais. Maintenant, allons à la partie centrale. Les barrières qui ont à voir avec les genres se multiplient et ça dépend de plusieurs couches à la maison, à la communauté et aussi au système de santé. Et ce qui est vraiment les relations de pouvoir, les différentes opportunités, les limites, les défis, les vulnérabilités, spécialement pour les femmes et les jeunes filles. Et cela affecte aussi la partie du comportement de façon. Et alors, je vais vous donner quelques exemples que vous pouvez trouver aussi dans les guides et aussi les guides d'UNICEF sur les genres, qui est aussi un excellent
Et le lien est ici. Et aussi, dans la partie de l'approvisionnement, en regardant les différentes parties, les communautés peuvent imposer des régulations de genre que les femmes et les filles pour la participation des services de santé. Mais la partie à droite, les facilités et précisément la patience des mères. Et c'est que fait un peu la part qui vraiment ne donne pas toute la participation. Et ce n'est pas favorable pour les pères d'avoir et faire partie de la décision de la vaccination ou pas de leurs enfants. De la partie à gauche, parce que les régulations sociales, dans quelque part, simplement les femmes qui passent les vaccins peuvent frapper aux portes des maisons. Et ici, on peut voir et on peut souligner la partie en haut que les femmes dans certaines sections n'ont pas le droit de voyager pour se toutes seules au centre de santé par les traductions, mais aussi par des affaires de sécurité. Alors, que faisons-nous sur cela? À côté gauche, les femmes sont considérées être les premières, celles qui donnent les soins primaires aux enfants, mais ils ne sont pas les seules qui prennent les décisions. Alors, les soins des enfants, il y a une limite pour les ressources de la maison, pour employer le service de santé. Alors, les accès inégaux à tout ce qui a à voir des l'information, l'argent, les transports. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire cette forme d'harmonisation et ces services soient plus de réponses au genre? Les femmes qui ont peu de mobilité, temps et contrôle des ressources, bien sûr, elle a amené les vaccins où sont les femmes, donné des vaccins extendus de soeurs de façon que les parents ensemble peuvent participer aux des transports et offrir aussi à faire plusieurs enfants en même temps pour faire simplement les parcours pour un seul enfant, les dynamiques de genre dans les décisions pour engager les parents de bonne heure précocement, parce que si vous avez les parents beaux, tous deux, engagés et vraiment faisant partie de la décision, ça, le coverage augmente. Mais aussi les préférences pour les femmes qui donnent le vaccin, c'est préféré dans les interventions. Mais cela augmente la quantité augmenter cette quantité de personnes qui donnent les soins et donner un espace sûr pour les femmes seules et pour que les femmes pour un espace pour les femmes pour elles spécialement et aussi la formation mais aussi les relations et interpersonnelles qui peuvent être promues beaucoup plus qui n'est pas seulement important pour les barrières des genres et aussi peut-être avoir des cliniques spéciales pour les mères. Okay, parce qu'ils sont stigmatisés dans tellement de couches. Et moi, je veux dire aussi que les conditions, pauvres conditions, la discrimination des travailleurs de santé est très importante de voir la construction des décisions dans la gestion des services de santé. Alors, ce n'est pas seulement ces guides que je veux que vous lisiez tous. Il y a des autres choses aussi intégrées dans la guide, dans les organisations et les stratégies. Vous avez une section de genre, les barrières de genre, et nous pouvons voir que dans les premières NIS qui ont été développées, l'analyse est là, l'implémentation de genre, les barrières, ce n'est pas où nous voulons être. Et la partie, c'est l'analyse des situations où vous pouvez avoir accès et voir les barrières spéciales et les casser. Et aussi dans la partie droite, les comportements, la partie sociale, des enquêtes que vous pouvez faire inclusives. Et aussi la partie de l'approvisionnement. Alors maintenant, nous devons avoir plus de connaissances et nous avons construit un pro-genre et moi, je veux que mon équipe visite. Il y a une courte, une longue, et il y en a une qui est 15 semaines, l'autre moins ou plus, et une heure et demie à 3 heures, un temps très bien investi pour changer notre conscience de comment nous évaluons le genre. Et il y a aussi des courses que vous pouvez voir ici pour l'avenir.
Alors, Stéphanie et Carol, vous pouvez les contacter si vous êtes intéressés et ils connaissent beaucoup mieux que moi. Alors, pour conclure, moi, les femmes sont, elles sont vulnérables sans proportion pour l'effet négatif des barrières, les changements climatiques et l'immunisation et toutes ces inéquités. Les femmes qui travaillent sont à peu près 70% des. Mais elles sont pas dans la partie prise de décision. Et alors, il y a une brèche de genre, il y a beaucoup de discrimination, et les mères bien, aussi expérimentent des barrières. Elles n'ont pas l'autorité ni les décisions. Et là aussi, pas d'éducation, et la violence de genre peut affecter aussi si vous voulez vous approcher au service. Et si nous voulons voir, 1,2 billion de la population est estimée qui est déplacée par 2050 par les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Et les femmes, nous savons qu'elles sont impactées plus par ces déplacements forcés. Nous tous, dans l'harmonisation, nous avons besoin d'avoir ces lances de genre et penser avec une solution. Transformant les processus pour être beaucoup plus conscients. Et dans la dominance, la inéquité des genres jusqu'à la transformation des genres, nous voulons tous être de le côté droit, que ce soit sensitif au genre, être intentionnel dans ce que nous faisons, au transformateur sur le genre. Et regardons aussi les causes des bases pour les inégalités des genres, transformer les services. Il y a beaucoup de guides de UNICEF, OMS, mais nous devons tous prendre un engagement personnel pour faire beaucoup plus de travail. Merci beaucoup.